Hey, salut tout le monde, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, les fêtes arrivent à grands pas et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui les amis, Noël commence en avance avec Tony FPS, voilà. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une surprise qui vous attend juste à la fin justement, donc restez vraiment jusqu'à la fin. Mais du coup, de quoi je vais vous parler? Qu'est-ce qui peut être si intéressant pour Noël? Eh bien j'ai envie de vous dire, toutes les personnes qui sont fans de Rainbow, je pense qu'ils vont kiffer cette vidéo, donc si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, et aussi vu ce que je vous prépare, pour la fin de la vidéo, là aussi vous allez vraiment kiffer, je vous parle des Chibi Rainbow. Alors pour le coup les potes, comment vous dire que, oui, j'ai toute la collection, hein. Voilà, ils sont tous là, vous voyez, regardez, j'ai toute la collection, donc il y a les 5 actuellement, il y a 5 chibi de dispo, je sais pas s'il y en aura d'autres par la suite, en tout cas, pour le moment, il n'y en a que 5 que vous pouvez acheter, donc ils sont tous ici, merci à Ubisoft de me les avoir envoyés d'ailleurs, c'est quand même très sympa, hein, c'est eux qui me les ont envoyés, donc merci, et du coup, bah, voilà, on va aller voir un par un, je vais tous vous les décortiquer, ils sont tous là, hein, on a tout le monde, il y a Ash, il y a IQ, Montagne, Smoke et Tachenka, ils sont tous là, donc on va voir tout ça ensemble. Allez, on va commencer avec ma petite préférée. Je pense que ceux qui me connaissent savent très bien de qui je parle parce que c'est un des agents que je préfère dans le jeu. Je parle bien sûr de notre ami Ash, hein, que voici. Donc, au niveau du packaging, on va déjà parler de ça un petit peu, tu sais, avant d'ouvrir comme un tard, voilà, on fonce dans le tas. Au niveau du packaging, on a déjà une petite boîte assez sympa. On voit le chibi à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, une petite statue de 10 cm. Et sinon, au niveau du reste, voilà, on a le pseudo qui est ici, enfin, le pseudo, le nom de l'agent, de l'opérateur. Un petit logo Rainbow Six ici. Et puis sur les côtés, encore, voilà, Rainbow Six Collection. Voilà, c'est pour faire un gros... En gros, ça reste quand même des éléments de collection. Et oui, 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 les amis, c'est vraiment des figurines de collection. Donc, c'est pour ça que je dis que les fans de Rainbow, ils vont être aux anges, là, tu vois. Hein, voilà, bref, voilà, du coup. Et derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ouais, bon, voilà. Ah bah oui, série 1, j'avais même pas fait gaffe, regardez. C'est marqué là, ici, juste ici, regardez bien. Série 1, donc on peut s'attendre à une autre série de Chibi. J'espère en tout cas les recevoir, si jamais il y en a une deuxième. Hein. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, on a tous les opérateurs qui sont disponibles en chibi actuellement, peut-être une série 2 comme je disais, on en aura d'autres, et sinon bah voilà, hein, c'est tout ce qui est marqué, c'est 10 cm, on a la petite marque ici, hein. Là je pense que je suis pas sûr que vous voyez très très bien, hein. Hein, voilà, non, vous voyez pas, si, voilà, voilà, on a donc, voilà, collection, série 1, tous les petits chibi qui sont dispo, et la marque à la fin. On va quand même peut-être l'ouvrir, hein, je pense que vous êtes d'accord qu'on ouvre la boîte, histoire de voir ce qu'on a dedans. Alors quand on l'ouvre, c'est très simple, on a déjà... enfin, deux petits papiers qui se situent à l'intérieur, donc en gros un petit papier qui nous dit qu'il faut aller sur ce site là pour débloquer un truc sur le jeu, et sur l'autre petit papier, eh bien on va avoir un code qui nous permet aussi d'aller débloquer ce fameux petit élément, mais on va y revenir juste après. Je vais poser ça juste derrière moi, voilà, et du coup quand on sort de la boîte, voilà, ça aussi ça reste ici, quand on sort de la boîte, tac, on a un petit plastique, et dedans, oh, regardez, dedans les amis, la petite, non mais regardez comment c'est beau, regardez, mais regarde comment, mais c'est trop beau, putain. Mais du coup, pour ce qui est du petit code, hein, qu'on a dans chaque boîte, à quoi ça sert? Bien, en fait, c'est très simple. En fait, vous allez devoir entrer ce code sur le site internet de Rainbow Six. Hein, vous allez devoir vous connecter, que vous soyez sur PC ou console, vous connectez et vous entrez le petit code qu'il y a ici. Voilà, c'est vraiment très simple. Hein. Et du coup, une fois que c'est fait, eh bien, vous allez sur le jeu, voilà, hein, j'y suis, et vous allez, bon, allez, vous allez sur un agent, tout simplement. Allez, je dis n'importe quoi, tiens, regarde, H, puisque justement, j'avais le chibi H, vous faites équipement, vous allez par exemple, hop, sur la R4C, quand vous allez dans pendentif, hein, pendentif, là vous allez trouver, alors il faut le trouver déjà, ils sont là, voilà, H collection 6, voilà, vous voyez, là j'ai les deux, par exemple j'ai H et Smoke, hein, c'est les deux que j'ai activés sur mon compte, et vous voyez, ça vous donne en fait des chibi exclusifs, c'est-à-dire que ces chibis-là, vous ne pouvez pas les avoir autrement, c'est la seule façon de les avoir, c'est-à-dire d'acheter
un chibi, hein, les vrais, les physiquement, puis ensuite de rentrer le petit code que voici, et ensuite bah, vous avez la possibilité de les avoir en partie. Donc voilà, vous pouvez les voir, regardez, hop, bien joli petit chibi, mais en fait c'est exactement le même qu'en vrai, hein. Il n'y a aucune différence, hein, c'est vraiment la même posture, la même position, tout pareil, c'est super cool, vraiment c'est super cool, c'est super chouette, parce que c'est vraiment quelque chose d'exclusif, là vous vous dites, wow, en fait du coup c'est bien, parce que personne d'autre peut avoir ce chibi, enfin, personne d'autre en jouant ne peut l'avoir, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, vous êtes obligé d'acheter un chibi réel pour l'avoir, et ça, c'est pas tout le monde qui l'a, donc c'est super cool, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, on va enchaîner directement avec notre ami Smoke, oui, ah, le petit Smoke, qui est ici, bon, la boîte, hein, je vous refais pas le tour, hein, voilà, c'est la même, hein, c'est la même que pareil, du coup, je vous, voilà, hein, bon, vous avez compris, on va l'ouvrir directement, là, tout de suite, comme d'habitude, le petit papier, hein, avec le fameux petit code pour débloquer ce petit truc, ce petit chibi directement dans le jeu, hein, voilà, ça fait toujours plaisir, et dedans, quand on ouvre, comme d'habitude, on va avoir encore le plastique et à l'intérieur se situe le magnifique petit Smoke. On va aussi aller voir un petit peu, voilà, vite fait, le chibi Smoke, hein, que voici. Donc là aussi, deuxième chibi que j'ai débloqué, comme je vous disais sur mon compte. Voilà, encore une fois, hein, c'est vraiment le même. Hein, il n'y a aucune différence par rapport au chibi normal. Voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un petit montagne. Le petit montagne. Encore les petits machins. Voilà, on s'en fout. Hein. Et donc, du coup, dedans, un petit montagne avec son bouclier. Mais regardez-le comme il est... C'est tombé. Regardez-le comme il est mignon. Oh, attends, mais il a même une petite visière, hein, qu'on peut ouvrir. Tu veux t'ouvrir un petit peu? Voilà. Hein, faut pas trop forcer non plus, mais voilà, regardez, un beau petit montagne avec une visière qu'on peut ouvrir et tout. Bien dédicacé GIGN derrière. Enfin, non, pardon, France, pas GIGN, France, oui, France, voilà. Allez, on enchaîne avec notre petite IQ. Donc allez, c'est parti, on n'a pas le temps les amis. Hein, voilà, pardon, excuse-moi. On a comme d'habitude, hein, les petits, voilà, on s'en fout. Et la petite statue. Ah ouais, non mais et franchement, elle est quand même très très belle. Hein, hein, faut qu'on se dise, avec la petite... Il y a une petite visière là aussi, regarde. Avec le petit flingue et tout. Il y a même son petit écran, hein. Non, si, sans déconner, hein. Mais du coup, le cinquième, ne serait-ce pas Lord Tachanka? Mais bien sûr que si! C'est lui! Lui-même en personne! Lord Tachanka, les gars! Non mais lui, franchement, vous attendez 10 ans, il vaut 10 000 euros, hein, aux enchères! Ah ouais, non mais attends, Lord Tachanka, l'opérateur le moins utilisé sur Rainbow, mais le plus emblématique! Bah oui, non mais là, hé, là, figurine collector de Tachanka, je te jure, 10 000 euros dans 10 ans! Hein? Non mais, c'est pas une connerie, retiens bien. Bref, on va peut-être l'ouvrir, hein, c'est bien de parler, mais bon, on s'en fout un petit peu, comme d'habitude, le petit code, voilà, et dans la boîte, hop, là, on s'en fout, hein, dans la petite boîte, on a un magnifique Tachanka. Sérieusement, c'est un de mes préférés. Tachanka, il envoie du boudin, hein, là, franchement, il envoie du pâté, avec sa grosse batteuse, regardez-le, avec sa grosse Bertha, non, franchement, il est juste magnifique. Du coup, voilà, une très belle collection de chibi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve vraiment très bien réalisés. Ils sont super chouettes. Rien que le fait aussi
qu'on ait les petits codes qui nous permettent de débloquer ces chibis exclusifs sur le jeu, ça aussi c'est génial, parce que du coup, ben, comme je vous disais, vous avez aucun moyen de les débloquer autrement, vous pouvez pas genre en jouant les débloquer etc, non, il faut obligatoirement rentrer ces codes pour les débloquer, voilà, c'est génial, donc je vais pouvoir les mettre sur ma petite étagère, voilà, en mode bien joli, tu vois. Ah mais non, ah bah non, parce qu'en fait je dois les faire gagner, ah oui c'est vrai, c'est Noël. Non mais c'est pas grave au fait si je vous les fais pas gagner, hein. Non c'est bon, on s'en fout, c'est bon, je les fais pas gagner en fait. Mais bien sûr que je les fais gagner les amis, j'en garde seulement deux, moi je garde juste Ash et Smoke, parce que oui ça va, hein, ça va, j'ai quand même le droit de garder un petit souvenir, hein, ça va, ils me les ont envoyés et tout, j'ai le droit d'en garder quand même, un ou deux, hein, bon. Et sans déconner le reste, je vous les fais gagner, donc vous pouvez gagner Montagne, Tachanka et IQ, voilà, trois chibis à gagner pour commencer Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on commence Noël comme ça. Vous allez avoir énormément de cadeaux pour cette édition 2017 de Noël. Avec moi, en tout cas, vous allez avoir vraiment beaucoup de cadeaux. Et c'est comme ça que j'inaugure un petit peu le bal, tu vois. Voilà, on commence, hein, tout doucement, on y va. Donc voilà, 3 chibis à gagner pour participer. C'est très simple. Vous allez dans le lien qu'il y a dans la description. Hein, oui, pour une fois, la description sert. C'est pas mal, hein. Donc voilà, vous cliquez sur le lien, vous allez devoir vous connecter. Et plus vous faites d'action, plus vous aurez de chances de gagner. Dès que vous en faites une seule, vous aurez une chance, vous avez une chance de gagner en gros. Et plus vous en faites, bah plus vous avez de chances de gagner. Voilà, c'est très simple, hein, voilà, il faut pas non plus sortir d'avoir bac plus 10 pour comprendre ça. Hein. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Cadeaux aussi, oui, oui, il va y en avoir d'autres, il va y en avoir d'autres, t'inquiète pas qu'il y en aura d'autres. Voilà, il va y avoir plein de cadeaux. Donc normalement, je pense qu'on va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va faire chaque semaine quelque chose à gagner. Voilà, donc aujourd'hui, on commence avec les chibis. Et donc, la semaine prochaine, il y aura quelque chose d'autre. Surprise !